Hey, bonjour à toutes et à tous et bonne année 2022. C'est vrai que je ne vous l'ai pas encore souhaité, donc bonne année 2022 et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle célébration en ligne. Personnellement, j'ai passé une super semaine et je ne sais pas comment toi ta semaine s'est passée, mais n'hésite pas à mettre en commentaire un pouce si toi aussi tu as passé une très très belle semaine. Je réfléchissais à tout ce qui prend place en même temps en ligne depuis maintenant des mois et je suis vraiment reconnaissant. Véritablement, vos messages sont vraiment touchants, vos commentaires pendant les cultes, vos mails, vos demandes de prière, même votre réaction sur les réseaux, vos réactions sur les réseaux sociaux. Merci infiniment d'être aussi présent et actif lors de nos lives. Continuez de le faire parce que vous êtes plusieurs également à nous le demander. Semaine après semaine, il y a les baptêmes, c'est toujours possible. On continue, oui, en 2022. Si tu souhaites prendre ton baptême, on se déplace et on vient encore chez toi durant l'année 2022. Et c'est très simple. Il suffit simplement d'écrire directement un mail à mon adresse, donc sur jmmourier@exomentum.com et on reviendra vers toi très rapidement avec plus de détails. Ça va être génial. On a vraiment hâte de partager tous ces moments avec toi. Enfin, si tu nous rejoins pour la première fois, j'aimerais également te souhaiter la bienvenue en tant que pasteur d'église en ligne. Mais c'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner sur notre chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir régulièrement du contenu édifiant pour ta foi. Également, cette vidéo, elle te bénit et je le crois, elle va te bénir encore une fois de plus aujourd'hui. N'oublie pas de la liker et de mettre en commentaire comment, à quel point tu es béni avec un smile, un emoji ou autre. Mais surtout, de la liker pour qu'elle puisse remonter dans le fil d'actualité. Ce matin, j'aimerais te poser une question. T'es-il déjà arrivé de te dire c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir? Ce matin justement, le message que va nous apporter le pasteur Patrice Martorano s'intitule « Ce n'est pas fini tant que Dieu ne l'a pas dit ». Mais avant ça, j'aimerais simplement te laisser avec notre équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et on se retrouve juste après. Excellente célébration. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue à ceux qui sont là en présentiel, bienvenue à ceux qui sont en ligne, qui nous regardent. Soyez les bienvenus, on va chanter, célébrer ensemble le Dieu de la vie, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la joie. On va déclarer ensemble, on va danser, taper les mains ensemble. Yes. On y va, en ton nom. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie. Tu vis en moi. Sur un ciel. Un ciel gris, la lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient, celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit.
la vie en Jésus et par sa vie, nous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu. Si tu réalises ce matin que tu es fils et fille du roi des rois, alors déclare de tout ton cœur, Seigneur, en toi je sais qui je suis. Alléluia. Chantons-le, qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa son amour pour moi, son amour. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Déclare-le, il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix, grâce à son blâme. J'étais esclave du péché. Mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. La suite de ce chant, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin que dans son amour, Dieu le Père a voulu que nous soyons ses enfants. Alors que là où tu es, est-ce que tu peux lever les mains vers le roi des rois? De tout ton cœur, lève les mains vers ton père, comme un enfant qui tend ses bras vers son père. Et déclare de tout ton cœur, oui Jésus, je suis choisi. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Jésus, chante-le de tout ton cœur, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais. Oh, en toi je sais qui je suis. En toi je sais.
suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Mon Dieu. Alléluia. Oh Église, ce matin, est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Est-ce qu'on peut commencer à adorer, à lever les mains ensemble? Là où tu es aussi chez toi, je t'invite à le faire, à lever les mains ensemble. Oui, en signe de je suis choisi et je sais que je suis affranchi. Tu m'as affranchi, Seigneur. Tu m'as donné la liberté, le plein accès à ton cœur, le plein accès à ta maison, Papa. En toi, je suis libre. En toi, je me sens en paix. Je suis choisi, je suis ton enfant. Tu m'as appelé par mon nom. Alléluia. Tu m'as appelé par mon nom, Seigneur. Je suis de ta famille. Est-ce qu'on peut commencer à adorer ensemble, Église? Parce qu'en toi, je sais, Seigneur mon Dieu, qui je suis. On va te dire ce matin que nous sommes cachés en toi, Seigneur mon Dieu. Peu importe les mépris du monde, peu importe les situations qui veulent nous dire le contraire, Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur mon Dieu, considérer et en toute confiance, mon Dieu, que je suis, Seigneur mon Dieu, ton enfant, Seigneur mon Dieu. Par ton amour, tu nous as rachetés, Seigneur mon Dieu. Tu nous as approuvés, Seigneur mon Dieu. Joie éphémère disparaissent quand les doutes envahissent mon cœur. Rien n'est comme le souffle de ta voix. Les honneurs d'ici-bas ne sont rien, les richesses ne sont qu'illusion. Tu es le seul à me combler vraiment. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle. Peu importe le mépris du monde, ta bonté va au-delà des mots. Je sais qu'en toi mon chemin est tracé. J'abandonne ma vie à tes pieds. Ton esprit crée mon identité afin de refléter ta majesté. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Oh, approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se
l'église, captivée. Déclarer sur nos situations, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Jésus. Chantons-le, Dieu peut faire. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons. Imaginons. Déclare-le, ses promesses. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux. Tu es grand, majestueux, il règne en roi. Oh, il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, par sa force. Viens à la vie.
lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit, à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Alléluia. Selon notre Dieu, oui, nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Oui, nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Nul n'est comme toi, Seigneur mon Dieu. Et nous croyons que nos vies sont dans le creux de tes mains. Nous croyons que tu n'en as pas fini avec nous. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que durant cette année 2022 qui s'ouvre devant nous, Seigneur, il y a une page blanche où tu désires écrire ton histoire dans nos vies, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes là pour louer et adorer ce Dieu de l'impossible qui va nous faire vivre des exploits avec ta grâce, avec ta puissance. Oui, nous croyons que tu es celui qui marche à nos côtés. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que chaque jour qui passe, ta grâce est là, ta main est là. Rien, Seigneur mon Dieu, n'est comparable à ta puissance. Rien n'est comparable à ce que tu peux accomplir dans nos vies. Et je prie pour chaque homme et femme dans ce lieu, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que ta grâce les accompagne. Je prie, Seigneur mon Dieu, que durant l'année 2022, tu sois l'ombre de leur main droite. Je prie que durant l'année 2022, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des restaurations. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des situations financières qui se débloquent. Je prie pour des entreprises qui vont être restaurées. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des travails, Seigneur mon Dieu, qui vont être donnés à ceux qui n'ont rien aujourd'hui. Nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Nous croyons qu'en toi, Seigneur mon Dieu, tout est possible. Alors que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré, que ton nom soit acclamé, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alléluia. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être que en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seul. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seul, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Dieu est le Dieu de l'impossible, est-ce que vous le croyez ? Regarde ton voisin et dis-lui, avec Dieu nous ferons des exploits. Dis-lui, c'est un verset de la Bible, avec Dieu nous ferons des exploits. Avant de reprendre place, je vous invite à juste vous tourner vers 2-3 personnes et de saluer les gens autour de vous. Peut-être leur souhaiter la bonne année. Vous ne leur avez peut-être pas encore souhaité la bonne année. Souhaitez-vous la bonne année. On est heureux de se retrouver, de partager ensemble. Également, est-ce qu'on peut saluer tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, s'il vous plaît ? On est heureux que Momentum soit sans frontières et qu'on ait la possibilité de se retrouver comme cela semaine après semaine. Je crois que je suis quelqu'un d'optimiste et je crois que Dieu n'en a pas fini avec nous et qu'en 2022, sa grâce va se manifester. Est-ce que vous le croyez ?
Je crois vraiment ça de tout mon cœur. Dieu n'est pas mort en 2021. Un jour, je me souviens, j'avais un jeune dans un groupe de jeunesse, lorsque j'étais pasteur de jeunesse, il avait un t-shirt où dessus il était écrit « Si ton Dieu est mort, essaye le mien, il est ressuscité ». Je crois que notre Dieu n'est pas mort. Je crois que notre Dieu est celui qui est capable d'agir avec puissance. Un jour, l'épouse de Martin Luther King voit son mari dans le salon et il avait une tête vraiment extrêmement abattue et triste parce qu'il venait de recevoir une lettre de menace, une lettre où on lui disait qu'on allait le tuer. Et c'était vraiment des choses... D'ailleurs, malheureusement, c'est ce qui finira par arriver. Et là, il était tellement abattu dans son salon. Et lorsque sa femme l'a vu, elle est partie se changer dans la chambre, et lorsqu'elle est revenue, elle est habillée tout en noir comme ça, avec un voile sur le devant, et Martin Luther King a regardé sa femme et il dit « Mais qui est mort ?» Elle lui a répondu « Bah, c'est Dieu qui est mort. » « Comment ça Dieu est mort ?»« Bah, t'as vu la tête que tu fais ? » ?»« Vu ta tête, Dieu est mort. » J'aimerais vous dire, Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant, et au-delà des choses parfois difficiles que nous avons pu vivre en 2021, on sait que l'année 2021 n'a pas été une année simple. On sait que pour beaucoup, 2020 n'a pas été simple, c'était le début de la pandémie, et on sait que ça a eu une répercussion encore plus sur 2021. On sait qu'il y a des gens, quand vous avez commencé à lancer votre business, peut-être un restaurant ou je ne sais quoi, développer des choses, ou à cause de la matière première qui a explosé dans certains milieux, vous êtes retrouvé dans une galère totale dans vos emplois, ça a été compliqué. Peut-être des gens que vous avez aimés énormément et sont partis à cause de la Covid-19 ou autre. Et on se retrouve comme ça dans cette situation où 2021 a été compliqué. J'aimerais aujourd'hui vous encourager pour que vous gardiez espoir en 2022, parce que Dieu n'est pas mort, parce que Dieu est là et parce que Dieu va encore faire des choses nouvelles. Parfois, on a cette impression que c'est fini. Tu sais, c'est fini, quoi. C'est game over. J'ai passé mes trois vies. C'est let's tomber. C'est terminé. Regarde l'âge que j'ai. Regarde les rides qui sont apparues. C'est demande ça à quelqu'un d'autre. Mais moi, game over. C'est terminé. Et parfois, on a cette notion, cette sensation que finalement, tout est fini. C'est fini. C'est fini mon avenir sentimental. Regarde, j'ai divorcé l'année passée ou j'ai divorcé en 2017-2018. C'est fini. Regarde, j'étais fiancé. Ça faisait 3 ans que je bâtissais une relation avec une personne. Et puis, malheureusement, elle a mis terme aux fiançailles 2-3 semaines avant le mariage. Et là, ton cœur est complètement abattu et c'est comme, c'est fini. Je ne crois plus en l'amour. D'autres vous disent, c'est fini, j'ai chuté, j'ai péché, ma vie s'est terminée, il y a une croix sur mon existence. C'est fini, pasteur, je me suis fait virer en 2021. Mon entreprise a fait faillite en 2000. C'est fini. Est-ce que, parce que vous pensez que c'est fini, est-ce que vous pensez que pour Dieu c'est fini ? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir avec Dieu ? Est-ce que Dieu peut faire encore quelque chose dans notre vie ? J'aimerais vous dire ceci, Dieu ne se réjouit jamais, écoutez bien, Dieu ne se réjouit jamais de ce que vous perdez. Mais Dieu est Dieu et il n'est pas arrêté par ce que vous perdez. Et ce n'est pas parce que vous avez perdu des choses dans votre vie que Dieu se retrouve handicapé avec l'impossibilité aujourd'hui, en 2022, d'accomplir et de faire quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas parce que nous avons perdu en 2021, et un des synonymes du mot perdre, c'est la défaite, et que maintenant notre marche est lourde, que nos bras nous tombent. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu as perdu en 2021 que Dieu est mort. Dieu est toujours vivant en 2022 et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il va agir avec grâce et avec puissance. Et le titre de mon message ce matin est le suivant, j'aime beaucoup ce titre, « Ce n'est pas fini tant que Dieu ne le dit pas ». Dites avec moi, « Ce n'est pas fini », dites « Ce n'est pas fini tant que Dieu ne le dit pas ». Tant que Dieu dit « Ce n'est pas fini », ce n'est pas fini. Et on va regarder ensemble l'histoire d'une femme qui s'appelle Naomi. Et Naomi, juste pour replanter le décor, est mariée avec un homme qui s'appelle Élimélec. Et ils habitent dans un petit village qui deviendra 1000 ans plus tard le village où Jésus va naître, Bethléem. Et là, alors qu'ils sont dans ce village, la Bible nous dit qu'il va y avoir une famine. Et Élimélec, avec son épouse Naomi, vont être obligés de quitter, avec leurs 2 petits garçons, vont être obligés de quitter Bethléem et ils vont aller dans un autre endroit, dans un territoire à Moab. Et là, alors qu'ils sont à Moab, la Bible nous dit que
Naomi va être frappée vraiment d'un grand malheur. Son mari va mourir. Elle va se retrouver la veuve avec ses deux fils. Et puis ces deux fils vont grandir et ils vont se marier avec deux Moabites, avec une femme qui s'appelle Lin, avec une femme qui s'appelle Orpa, et l'autre avec une femme qui s'appelle Ruth, celle qui donnera le nom du livre de Ruth dans la Bible. Et là, au bout d'une dizaine d'années, alors qu'il y a ces deux mariages, Naomi se retrouve seule, plus de mari, mais il y a ces deux garçons qui sont mariés avec ces deux femmes, pas de bébé, les deux, ils restent mariés à peu près une dizaine d'années, et malheureusement, un autre malheur arrive, les deux garçons de Naomi vont mourir. Et là, s'il y a une personne à un moment donné de sa vie qui se retrouve dans un pays étranger sans mari, en ayant tout perdu, mari et enfant, s'il y a une personne qui peut comprendre ce que c'est que de vouloir tout abandonner, c'est terrible, je viens de vivre un tsunami sur ma vie, c'est hallucinant ce que je viens de vivre. S'il y a une personne qui, on peut comprendre quand elle dit « c'est fini, game over », on peut comprendre Naomi. Et Naomi est vraiment dans cet état d'esprit. Elle va appeler ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, et elle va avoir une discussion avec elles. Et lisons ensemble ce qu'elles vont partager. Naomi leur dit, donc à Orpa et Ruth, « Rentrez dans votre famille, mes filles. Pourquoi est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que je peux encore avoir des fils qui pourraient se marier avec vous? Non, je suis trop vieille pour cela. Rentrez chez vous, mes filles. Oui, partez, je suis trop vieille. » Elle insiste sur le fait qu'elle est trop vieille. « Pour me remarier, bien sûr, je pourrais dire, il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, cette nuit même, je vais avoir un mari et qui va me donner des fils. Mais même dans ce cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand? Est-ce que vous allez refuser de vous remarier pour cela? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. » Premièrement, aujourd'hui, Dieu a un contrôle total sur l'horloge de votre vie. En fait, ces femmes pleurent et elles se réunissent, elles se retrouvent ensemble. C'est juste après l'enterrement des deux garçons. Et là, elles sont de nouveau ensemble, les trois, Naomi, Ruth, Orpa. Elles sont là et certainement, il y a des pleurs, on l'a lu. Il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, il y a beaucoup d'abattement. Et Naomi va leur dire, c'est fini, c'est terminé. Là, je ne peux pas faire plus. Je vais rentrer chez moi, je retourne à Bethléem, c'est un gâchis total, ma vie est terminée, mais, et pour vous, c'est aussi compliqué. Et à cette époque-là, une des choses qui se passait, c'est que lorsque une femme se retrouvait veuve et que les parents avaient encore un fils, c'était le devoir du fils de se marier avec la veuve de son frère pour qu'elle ne se retrouve pas dans la galère. On parle d'une histoire d'une autre époque, il y a 3000 ans en arrière. Et c'est comme ça que les choses se passaient. Et c'est pour ça que Naomi dit, mais j'ai plus de fils à vous donner. Et quand bien même je me mariais ce soir et que durant la nuit de noces, je tombe enceinte, il va falloir que ce soit des jumeaux et il va falloir que ce soit des gars. Et en plus de ça, est-ce que vous allez vouloir attendre des années et des années avant de vous marier avec eux? Non. Là, l'horloge, elle est là, c'est clair, elle donne l'heure. On est d'accord que c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini, rentrez chez vous, allez faire votre vie, rentrez dans vos familles, moi je suis dégoûté, je suis amer de ce que je viens de vivre. Elle dit même, c'est Dieu qui m'a fait vivre ces choses-là, on la voit complètement désabusée, c'est terminé, rentrez chez vous, moi aussi je repars dans le pays de ma naissance, c'est juste terminé, je ne sers plus à rien, je ne peux plus vous bénir, je ne peux plus vous encourager, je n'ai même pas de fils à vous donner. Et j'aimerais vous poser cette question que j'ai mise sur la diapo. Que faites-vous quand vous avez l'impression que l'horloge est contre vous? Que faites-vous lorsque vous ratez votre saison et votre fenêtre d'opportunité? Que faites-vous quand vous avez l'envie d'accomplir, mais que vous regardez dans le miroir et que vous voyez les rides qui trahissent le nombre d'années passées? Que faites-vous? Naomi est en train de dire ceci, l'horloge biologique est contre moi. C'est mathématique, c'est physique, c'est visuel même, ça se voit,
L'horloge biologique est contre moi. Ça ne sert plus à rien d'espérer. Ça ne sert plus à rien que vous puissiez me regarder comme... Parce qu'il y avait beaucoup d'amour entre, dans cette famille-là, entre la belle-mère et les belles-filles. Elle s'aimait énormément. Et elle, forcément, elle regardait Naomi, qui était certainement un exemple. Elle dit, arrêtez de regarder à moi, ça ne sert plus à rien. Et là, Naomi va faire quelque chose que, bien souvent, nous, les êtres humains, nous faisons quand nous savons qu'il n'y a plus d'espoir. On fait le vide autour de nous. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de venir vers nous en disant « mais non, c'est possible, etc. » et que nous savons, on le sait au fond de nous, parce que l'horloge biologique nous le dit, on le sait qu'il n'y a plus d'espérance. Qu'est-ce que l'on fait? On essaye de couper leur espoir. On essaye de leur dire « mais arrête d'y croire, ce n'est pas possible. » Et c'est ce que Naomi fait. Arrêtez, regardez, je suis trop vieille, puis même si là je me marie, etc. Bref, vous avez compris, c'est pas possible, partez. Laissez-moi toute seule, arrêtez. Et souvent on fait ça. Bien souvent on a cette notion de, lorsqu'on pense que l'horloge est contre nous, et que des gens attendent des choses de nous. Et ça peut être pareil, ça peut être dans ma position, ça peut être dans ta position, peu importe les différentes sphères, il y a cette notion où on veut faire vite. Allez, c'est bon, arrêtez, rentre chez toi, ça sert à rien, arrête de me regarder comme si j'étais une solution, j'en suis pas une, arrête de me regarder comme ça. C'est terminé, je ne sers plus à rien. Et j'aimerais vous indiquer ceci, j'aimerais vous dire ceci. Même quand votre horloge indique, écoutez bien, qu'il est trop tard, je l'ai mis sur la diapo, l'horloge de Dieu est supérieure à la vôtre. L'horloge de Dieu, mes amis, est toujours supérieure à la vôtre. Dieu ne dort jamais. Est-ce que vous le savez ça? Dieu ne dort jamais et il a un contrôle total sur le temps. Il sait le jour de ta naissance, il sait le nombre de cheveux que tu as, il sait même si tu n'as plus de cheveux, il sait le nombre de jours qu'il te reste. Dieu connaît tes échecs, il connaît tes succès, il connaît tes diplômes, il connaît tes examens ratés, il connaît tes abus, il connaît peut-être les choses terribles qu'on t'a fait vivre. Dieu connaît toutes choses. Il a une connaissance parfaite. Et ce n'est pas parce que nous croyons à cause de ça que notre vie est terminée que la chose en est ainsi. Dieu a cette capacité d'appeler à l'existence les choses qui sont mortes. Dieu a cette capacité de dire, toi tu penses que c'est fini, mais ce n'est pas fini tant que je ne le dis pas. Ton horloge a beau te dire c'est fini, moi je te dis j'ai une autre horloge dans le ciel, le temps est différent, et moi tant que je ne dis pas c'est fini, c'est jamais fini. Et il va travailler dans le cœur de Naomi. Et la vie de Naomi va littéralement changer. C'est pourquoi, deuxièmement, il y a un appel aussi à comprendre que dans votre avenir, il y a des choses qui vont s'inscrire et il y a des choses qui n'en feront pas partie. C'est pourquoi, deuxièmement, laissez partir ce qui doit partir. Les femmes sont en train de pleurer, elles sont en train de verser toutes les larmes de leur cœur. Et puis là, Naomi va leur dire « partez ». Et il y en a une d'elles qui va partir. Alors les deux belles-filles se remirent à sangloter. Et finalement, Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth resta avec elle. Naomi lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Et là, on voit que Orpa va partir. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, les amis. Je crois que il y a un appel en 2022 à laisser partir les gens qui veulent partir de votre vie. Il y a un drame qui prend place souvent dans nos vies, c'est qu'on essaye de retenir des gens qui veulent partir. Que ce soit des amis, que ce soit des proches, que ce soit, bref, mille et une personnes, et on est là, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, laisse-moi ton amitié, tu l'appelles, mais non, j'ai besoin de toi, moi dans ma vie, tu fais partie de mon avenir, tu fais partie de mon futur, et t'es là, tu es à genoux, t'es en train de mendier l'amour des gens. J'aimerais te dire, prends la résolution en 2022, laisse partir ceux qui doivent partir. Ils ne font pas partie de ton destin. Et il y a vraiment cette pensée. Des moments, on est là et on se raccroche. Reste avec moi, reste avec moi, reste. Vous savez, quand quelqu'un a pris la décision de partir, laissez-le partir. Des moments, on se tire une balle dans le pied de vouloir retenir des gens dans nos vies, dans nos existences, alors qu'ils sont appelés à partir. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Orpa, ça ne veut pas dire qu'Orpa est une mauvaise personne, mais ça veut dire que Orpa faisait partie d'un bout d'histoire, de l'histoire de Naomi, mais elle ne faisait pas partie de l'avenir de Naomi. Et il y a des gens, parce qu'ils ont fait partie et qu'ils ont peut-être été génial, ils ont fait partie d'un bout de ta vie dans ton passé, toi tu veux absolument les amener dans ton avenir, alors qu'eux ils n'ont pas envie d'être dans ton avenir, laisse-les partir.
laisse-les partir. Ne t'inquiète pas, il y aura des Ruths. Il y aura d'autres personnes qui seront là. Et Ruths, elle va dire à sa belle-mère, quand sa belle-mère va lui dire, mais fais comme ta belle-sœur, pars. Elle va dire non. Où tu iras, j'irai. Moi, je ne te lâche pas, je ne t'abandonne pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, ils sont faits, il faut l'accepter, c'est douloureux, ça fait mal. Parfois, c'est des gens que nous aimons, mais il faut accepter qu'ils quittent nos vies. Tu ne peux pas les retenir, tu ne peux pas mettre une super glue, te coller à eux et de faire en sorte... Non, ils sont appelés à partir. Laisse-les partir. Ce n'est pas simple. Mais il y a cette notion de, si tu veux continuer, si tu veux avancer et si tu veux vivre ce que tu es appelé à vivre, tu dois comprendre qu'il y a des saisons dans une vie et il y a des saisons où Orpa est là et il y a des saisons où Orpa ne doit plus être là. Mais Dieu prévoira toujours des Ruths qui vont être à côté de toi et qui iront partout où tu iras, et qui feront la vie avec toi, qui vont être des frères, qui vont être des sœurs, qui vont être des pères, qui vont être des mères, qui vont être des gens extraordinaires, qui vont t'aider jour après jour à gravir la montagne. Lorsque les gens veulent s'éloigner, je l'ai noté pour que vous puissiez bien l'imprimer, qui veulent s'éloigner de vous, laissez-les partir. Parce que votre destin n'est pas lié, écoutez bien, votre destin n'est jamais lié à quelqu'un qui est parti. Votre destin est lié à ceux qui sont là. Votre destin est lié avec ceux qui veulent faire la vie avec vous. Votre destin n'est pas lié à des gens qui ont tourné le dos et qui vous ont quitté. Et quand je comprends cela, alors je laisse partir. Il y a une paix qui vient sur mon cœur. Il y a une paix qui vient littéralement dans ma vie. Vous devez savoir, écoutez bien, quand le rôle des gens se termine dans votre histoire, afin de ne pas continuer d'essayer de ressusciter les morts. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens autour de vous qui vont vous s'éloigner. Et comprenez ceci, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard. Il y a des gens qui vont s'éloigner autour de vous. Et c'est voulu par Dieu. Et nous, on est appelés à se lever et à continuer notre vie. Comprenez ceci. David, pourtant on parle de quelque chose de très grave, de très lourd, de très significatif. David a perdu un enfant. Et quand son enfant était malade, la Bible nous dit qu'il était à plat ventre. Il jeûnait, il priait. Et un jour, on est venu lui dire que c'est terminé. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est levé, la Bible nous dit. Il s'est lavé le visage et il a poursuivi sa route. Je ne suis pas en train de minimiser la souffrance, loin de moi cette pensée de lorsque l'on perd un enfant. Mais il y a cette notion, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de rester allongé. Il faut que tu laisses partir ce qui est parti. Que tu te lèves, il faut que tu laisses partir ce qui est parti en 2021, qui est parti en 2021, les choses qui n'ont pas fonctionné en 2021, il faut que tu les laisses partir et que tu dises, il y a une nouvelle année, il y a des enfants autour de moi, il y a des gens qui ont besoin de moi. Il y a des gens qui aussi espèrent peut-être en moi. Il y a des choses à faire, il y a des choses à accomplir. David s'est levé, elle est forte la symbolique. David s'est levé, il s'est lavé le visage et il a poursuivi sa route. Lorsque le peuple est sur le point de rentrer dans la terre promise, Moïse va mourir. La Bible nous dit qu'ils vont rester là et pendant 30 jours, ils vont pleurer Moïse. Ils ne vont pas dire « Oh, on s'en fiche, hein, c'est pas grave ». Non, non, prends le temps, pleure ce que tu dois pleurer, mais ensuite tu te lèves et rentres dans l'héritage. Rentre dans ce que Dieu a prévu pour toi en 2022. Laisse partir ce qui doit partir. Parce que sinon, ça va tellement être lourd que ça va te tirer littéralement vers le bas. Vous savez, si je prends cette bouteille, c'est 1 millilitre, donc elle fait 500 grammes à peu près. Si je la tiens comme ça au bout du bras, elle n'est pas lourde, elle fait 500 grammes. Je pense que si je reste comme ça et que vous revenez me voir dans une heure et que vous me dites « elle pèse combien la bouteille ?» Alors qu'il n'y a pas eu une goutte d'eau en plus, je pense que je vais vous dire, je pense qu'elle doit faire au moins 25 kilos. Si vous revenez à la fin de la journée, j'aurai l'impression, je ne sais pas si je serai toujours comme ça, tellement que ça va être lourd pour moi, mais peut-être je vais vous dire, j'ai l'impression que ça fait une tonne. Comprenez-vous? Il y a un moment donné, tu dois juste laisser tomber, tu dois laisser partir, tu dois arrêter de vivre avec un poids qui t'empêche d'avancer. Tu laisses partir et tu vis ce que tu es appelé à vivre. Et que tous ceux qui veulent vivre ce que Dieu a prévu pour eux en 2022, applaudissent bien fort le roi des rois. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empathie, laissez partir ceux qui doivent partir. Arrêtez de vouloir les retenir. Ça vous empêche de rentrer dans les projets
que Dieu a prévu pour vous. Et comprenez ceci, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Et c'est mon troisième point, rien n'arrive par hasard. Dites-le avec moi, rien n'arrive par hasard. Ceux qui partent, ce n'est pas un hasard. Rien n'arrive par hasard. Juste pour vous remettre dans le contexte, Orpa part, Naomi lui dit, pars aussi. Non, Ruth, non, moi je reste attaché à toi, ton âme est vivante et j'irai où tu iras. Et là donc, elles partent et elles retournent à Bethléem. Et lorsqu'elles arrivent à Bethléem, on peut comprendre que ces deux femmes, sans mari, extrêmement pauvres, dans une pauvreté, elles ont tout perdu. C'est fini, hein, on l'a dit tout à l'heure. Pour elle, pour Naomi, tout est terminé. Et là, elles se retrouvent dans cette situation catastrophique. Et elles doivent manger quand même. Et à cette époque-là, une des choses qui était bien, c'est que les gens, les propriétaires terriens, la plupart, c'était bien sûr de l'agriculture, lorsqu'ils avaient des grands champs, ils permettaient, c'était convenu comme ça, les pauvres pouvaient aller glaner, c'est-à-dire récupérer, si tu avais par exemple un verger de pommes, tu pouvais aller chercher 4-5 pommes pour te nourrir dans la journée. Ce n'était pas une notion d'aller implanter ton business dans le business de quelqu'un d'autre. Hein. Mais tu pouvais aller glaner. Et c'était accepté, tu pouvais aller chercher de la nourriture. Y avait pour les pauvres, il y a un grand champ, je suis riche, venez chercher quelques pommes, quelques épis de blé, etc. Et donc, Naomi est avec Ruth, et Ruth va partir glaner. Et regardez ce qu'il est dit. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis, c'est-à-dire aller faire la cueillette, dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille, et elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. » Et il se trouva, par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse !» Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ? Qui est cette jeune femme ?» J'aimerais vous dire, rien n'arrive par hasard. Alors certains, vous allez me dire, « Oh, mais dans le texte, c'est écrit quand même, hein ?» Par hasard, elle s'est retrouvée là. Vous savez, le hasard, c'est le nom que Dieu prend quand il voyage incognito. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Ça n'existe pas. En fait, ce jour-là, elle se retrouve, elle va dans ce lopin de terre, et comme par hasard, c'était ici qu'elle était, et comme par hasard, le maître, monsieur Boaz, le propriétaire terrien, ce jour-là arrive, il était en voyage, mais il arrivait comme par hasard à ce moment-là, et comme par hasard, ses yeux tombent sur Naomi, sur Ruth, et comme par hasard, il la trouve mignonne. Comme par hasard. Le hasard fait bien les choses quand même. J'aimerais vous dire, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est un mot que nous utilisons quand on a du mal à expliquer la providence de Dieu. En fait, vous savez, la souveraineté de Dieu, c'est quoi ? C'est que tout est dans les mains de notre Dieu. Tout est dans les mains de notre Dieu. Ta vie est dans les mains de Dieu. Ton avenir, ton espérance, tout est dans les mains du Seigneur. Il y a tellement un repos de vivre dans la souveraineté de Dieu, de croire que Dieu a un avenir pour moi, il a de l'espérance, et je vis dans le repos de croire que tout est sous le contrôle de Dieu, que Dieu orchestre tout de manière parfaite. Tout est dirigé, orchestré par Dieu. Dieu est le roi des rois. Il est le boss des boss, il est le PDG des PDG, il est l'alpha et l'oméga. Il est le souverain. Vous avez le droit d'applaudir. Il est le souverain. Et donc, sous la souveraineté de Dieu, que vous puissiez comprendre, il y a ce qu'on appelle la providence. C'est quoi la providence ? Je vais expliquer il y a quelques mots en arrière. La providence, c'est le mot utilisé pour dire que Dieu règle tous les petits détails de notre vie. La providence, c'est que, comme par hasard, Ruth s'est retrouvée dans ce champ-là, ce jour-là, à cette heure-là. Et comme par hasard, Boaz s'est retrouvé revenir de son voyage et être là. Et comme par hasard, il voit Ruth. Vous comprenez ? Toutes ces choses-là, c'est ce qui s'appelle la providence de Dieu. C'est Dieu qui règle tous les petits détails de ta vie. Ce que toi, tu penses être un accident, ce que toi, tu penses être un hasard. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de hasard. Il y a un Dieu qui est souverain et par sa providence, il fait en sorte que toutes les choses puissent coïncider les unes avec les autres pour te permettre d'avancer dans ta vie. Et là, vous avez le droit d'applaudir. C'est ça la providence.
Et il n'y a pas de hasard. Et j'aimerais vous dire, quelles que soient les choses que vous viviez, bonnes comme mauvaises, les amis, il n'y a pas de hasard. Notre Dieu est Dieu et il contrôle et il dirige tout. Dieu n'a jamais, écoutez bien, Dieu n'a jamais été dans l'incapacité d'orchestrer vos affaires. Il n'a jamais été dans cette incapacité. Et rien dans votre vie n'arrive par hasard. Dites avec moi, rien n'arrive par hasard. Dites-le, rien n'arrive par hasard. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Quand tu te fais virer par un patron, rien n'arrive par hasard. On t'a refusé ton prêt pour acheter la maison de tes rêves. Rien n'arrive par hasard, Dieu le savait. Vous comprenez? Les galères que j'ai vécues, ah, la honte ce jour-là que je me suis pris, rien n'est arrivé par hasard. Dieu connaît toutes choses et il permet certaines choses de ta vie, comme il a permis que ce qui se passe dans la vie de Naomi, afin qu'elle puisse se mettre en mouvement et vivre ce qu'elle est appelée à vivre. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Le hasard, c'est le nom que Dieu prend quand il voyage incognito. Toi, tu crois que ta vie est ballottée. Un coup, j'ai pris une bourrasque de vent, ça m'a amené là. Et puis un jour, hop, le vent m'a amené là. Et je vis comme ça au fil de l'eau. Non, 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 Dieu est là. Et quand tu aimes Dieu, que tu pries Dieu, que tu marches avec Dieu, même s'il y a une porte qui se ferme, c'est pas hasard, c'est Dieu qui la ferme parce que Dieu a une autre porte pour toi. Même quand ton prêt a été refusé, c'est une porte qui se ferme parce que Dieu a prévu autre chose pour toi. Et quand je le comprends, je vis dans la paix. Quand je comprends, je sais que ma vie est dans les mains de Dieu. Et je sais que mon Dieu orchestre tout de manière parfaite. Il n'y a pas plus grand banquier que mon Dieu. Il n'y a pas plus grand roi que mon Dieu. Il n'y a pas plus grand PDG que mon Dieu. Il n'y a pas plus grand boss que mon Dieu. Il n'y a pas mieux que lui. Et je sais qu'il veut mon bien. Et je sais qu'il n'est pas arrêté par ce qui m'a attristé. Mais il va utiliser, même si ce n'est pas lui qui l'a fait, mais il va utiliser ce que je perds pour me faire bouger, pour m'amener à une autre place, pour vivre ce qu'il a prévu pour ma vie. Amen. Et j'aimerais finir, je demande aux musiciens de revenir. Ce n'est pas fini, quatrièmement et dernièrement. Ce n'est pas fini, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop vieille, ce n'est pas trop tard. Dieu seul connaît tes limites. Ruth, qui était là en train de glaner, Boaz la voit, son cœur bat la chamade, il la trouve magnifique. Et là, il y a un petit souci. Comme je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, une femme, lorsqu'elle se retrouve veuve, si un proche parent la demande en mariage, eh bien, elle va être donnée à cette personne-là. On parle d'il y a 3000 ans en arrière, une autre époque, une autre culture. Et vous savez quoi? Comme par hasard, Boaz est un proche parent. Le hasard fait bien les choses quand même. Et Boaz, pour ceux qui aiment parler théologie, Boaz est un type de Christ. Ruth, c'est nous, les personnes qui avons tout perdu, les personnes qui n'avons plus grand espoir, ces gens qui glanent à gauche, à droite, qui font deux, trois petites cueillettes pour s'en sortir comme ils peuvent, qui n'ont plus d'avenir, qui n'ont plus d'espérance. Et Boaz avait le devoir de rachat sur Ruth. De la même manière, c'est un type de Christ, c'est-à-dire que Boaz représente Jésus. Celui, cet époux, qui a un droit de rachat sur nos vies. Et là, Boaz, comme Jésus l'a fait avec nous, va racheter Ruth. Il va exercer son devoir et il va prendre Ruth pour épouse. Et ces deux femmes, cette grand-mère, qui ne l'était pas, et cette jeune femme, veuve, qui était dans une galère totale, vont se retrouver, habiter et vivre avec ce propriétaire terrien qui a racheté, qui a tout racheté, et qui leur a permis que leur vie puisse aller de l'avant. Alors ils vont se marier, et là, de cette union, va naître un beau petit bébé. Regardez ce qu'il est dit. « C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte. Et elle donna naissance à un fils. » Les femmes de Bethléem, ce fils s'appelle Obed, pour ceux qui s'intéressent, et les femmes de Bethléem, dire à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille, que son nom devienne célèbre en Israël. » Écoutez bien, il te rendra une raison de vivre. C'est tellement beau ce passage. Toi, tu n'avais plus d'espoir. Il va te rendre une raison de vivre et il prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime et qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que sept fils.
Naomi, la belle maman, prit le nouveau-né et le serra sur son cœur, et c'est elle qui se chargea d'être sa nourrice. Et également dans d'autres versions, qui se chargea aussi de l'éduquer. En fait, Naomi, c'est tellement beau cette pensée, Naomi pensait avoir tout perdu. Et je suis trop vieille, et c'est fini, et ça ne sert à rien, puis je ne pourrais même pas avoir un autre enfant, je ne pourrais plus rien faire, ma vie, c'est une catastrophe ambulante. Et là, Dieu va utiliser ce qu'elle a perdu pour l'amener à un endroit, et par la providence de Dieu, tout orchestré de manière extraordinaire, dont elle avait même pas... C'est même pas elle qui a été stratégique et qui a fait un calcul. C'est Dieu qui a tout calculé, qui a tout mis, qui a tout placé, qui a tout orchestré pour que les choses aillent de l'avant. Et là, Naomi, c'est tellement beau, finit dans ses vieux jours. Ruth se marie, a un enfant. L'enfant est donné à Naomi. Naomi le prend. Elle le serre sur son cœur et la Bible nous dit qu'elle en était la nourrice. Alors j'ai regardé en hébreu pour être sûr que c'était bien le mot nourrice, et c'est bien le mot nourrice. Et la définition d'une nourrice, c'est qu'elle allait. Et là tu te dis, waouh, ça c'est fort. Dieu va utiliser cette femme. Dieu va utiliser et bénir Naomi au point qu'elle va se retrouver avec ce bébé. Et c'est elle-même. Il y a des jeunes filles, tant qu'elles n'ont pas accouché, elles ne peuvent pas avoir de montée de lait. Et là, tu as cette vieille dame, c'est elle qui va allaiter. Dieu va faire sortir du lait de sa vie à celle qui pensait qu'il n'y avait plus que de la sécheresse. Dieu va la bénir au-delà de ce qu'elle peut penser. Et ce petit garçon, écoutez bien, qu'elle va prendre, qu'elle va éduquer, qu'elle va nourrir, ce petit garçon Obed, vous savez qui il est ? Ça va être le papy, le grand-père du grand roi David. Il est littéralement le patriarche, non seulement de David, mais jusqu'à Jésus lui-même. Est-ce que vous comprenez ? Tant que Dieu n'a pas dit « c'est fini », ce n'est pas fini. Tant que Dieu dit « il y a de l'espoir », il y a de l'espoir. Alors, est-ce qu'on peut se lever à notre place ? J'aimerais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là ce matin. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce envers eux. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ceux qui ont baissé les bras, ceux qui pensent que c'est terminé, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent réaliser ce matin que ce n'est pas fini tant que tu ne le dis pas. Ton horloge est supérieure à notre horloge. Ta providence est supérieure à nos petits calculs terrestres et stratégiques. Tu es celui qui tient l'univers dans tes mains. Tu es celui qui tient nos vies dans tes mains, Seigneur. Et nous te faisons confiance. Nous croyons en ta souveraineté. Nous croyons à ta providence. Et j'aimerais, avant de laisser la place à l'équipe de louanges, alors que les têtes sont courbées et que les yeux sont fermés, j'aimerais donner l'opportunité à des gens de pouvoir donner leur vie à Jésus. Tout comme Boaz est ce symbole de cet homme qui a racheté Ruth, qui avait une vie brisée, qui avait une vie terminée aux yeux de beaucoup de gens. J'aimerais te dire, Jésus aujourd'hui peut racheter ta vie. Jésus aujourd'hui peut faire en sorte, toi qui n'as aucun avenir, aucune espérance, Jésus aujourd'hui peut lier sa vie. Laisse partir ce qui doit partir et laisse Jésus s'unir à toi aujourd'hui. Parce que mon Dieu est capable de te donner un avenir et de l'espérance. Alors que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés. Si ce matin tu es là et tu dis, c'est vrai, je suis totalement abattu et j'ai besoin de ce Jésus dans ma vie. J'ai besoin qu'il puisse prendre ma vie. J'ai besoin qu'il puisse me restaurer. J'ai besoin qu'il me donne un avenir et de l'espérance. Alors là où tu es, alors que les têtes sont courbées, les yeux fermés, j'aimerais juste t'inviter à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore des mains à gauche, devant, derrière, au milieu. Des mains partout à travers ce lieu se lèvent. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes. Et je prie qu'elles puissent, Seigneur mon Dieu, comme Boaz a racheté Ruth,
Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'aujourd'hui tu puisses les racheter avec ta grâce. Je prie qu'aujourd'hui, même ceux qui sont devant leur écran, que tu puisses les racheter, Seigneur mon Dieu, là où ils sont, dans la situation où ils sont. Donne-leur un avenir, donne-leur de l'espérance, donne-leur, alors qu'ils ont une vie où ils ne font que glaner, où il n'y a pas grand-chose, où il y a des larmes et des pleurs. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, tu changes les vêtements de deuil en vêtements de joie. Je prie que tu essuies toutes larmes de leurs joues, Père. Je prie que ta grâce se manifeste. Oui, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas fini, tu es souverain. Ce n'est pas fini tant que tu ne le dis pas. Et que tous ceux qui croient en la souveraineté de Dieu disent Amen et acclament bien fort le roi des rois. Alléluia. Tu es grand et admirable. Tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable. Tu es là, tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous te chantons, nous proclamons. Mon Dieu, on veut déclarer que Seigneur mon Dieu, tu es notre Dieu ce matin. Donc entends nos cris, entends nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous sommes unis, Seigneur. Chantons-les ensemble, entends nos cris. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis. On reprend ensemble, entends. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Oh, Église, on reprend ensemble. Entends nos cris. Oh. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis. Toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Toi je suis libéré, tout-puissant, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main.
Rédempteur, couronné par toi, je suis libéré. Wow, merci au Père Saint-Patrice pour ce message. J'espère que ce message t'a encouragé dans ta foi et t'a donné envie d'avancer encore plus loin dans ta relation avec Dieu. Si tu as été béni ce matin par la louange et le message, je t'encourage une fois de plus à mettre dans les commentaires, écris que tu as été encouragé. Mets-nous quelque chose, un mot, un encouragement, juste quelque chose qui vient de toi. J'espère que tu as reçu une parole pour ta vie aujourd'hui. Et d'ailleurs, si un point du message t'a particulièrement touché ou encouragé, n'hésite pas à l'écrire en commentaire ou même à le partager à quelqu'un afin que tu puisses t'en souvenir et l'appliquer durant la semaine qui arrive. Avant de te laisser, j'aimerais te communiquer juste quelques annonces. Si tu nous suis, si vous nous suivez en ligne et que vous aimeriez servir à l'église Omentum, là où vous êtes, sachez que c'est possible. Pour devenir bénévole, écrivez directement à l'adresse mail qui s'affiche juste sous la vidéo. Chaque semaine, des bénévoles rejoignent les équipes et on est heureux de voir ça. Mais j'aimerais te dire, il y a encore de la place pour toi. Dans la vidéo, au niveau du graphisme, au niveau de la rédaction, peu importe le service, j'ai envie de te dire, juste tes dons et tes talents, écris-nous un mail, peu importe la distance, tu peux prendre aujourd'hui la décision d'écrire l'histoire avec nous. Et également, si tu souhaites en savoir plus sur Jésus, n'hésite pas à m'écrire un mail en m'expliquant ta situation. Je serais tellement honoré de te répondre et de connaître ton histoire. Sachez également que si vous le désirez, vous pouvez également bénir financièrement notre église. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous directement sur monoffrande.fr. Sache, une fois de plus, je le répète, que c'est ta générosité, c'est votre générosité qui permet à l'église d'avancer dans ses projets semaine après semaine. Et on est tellement heureux de le faire à vos côtés. Enfin, tous les matins sur notre chaîne YouTube, vous savez, vous pouvez retrouver une très courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano pour bien démarrer votre journée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Passez une excellente semaine. À dimanche prochain. Bye bye.